Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Far Cry 5. Noté sur 10, cette intro dégueulasse. C'est l'intro spéciale Far Cry, on fait ça que sur Far Cry. C'est ça le jeu, j'en ai aucune idée. Bah oui, je m'en doutais. C'est compliqué parce qu'en fait je joue à plein de jeux, du coup te dire ouais, tu m'as découvert sur quel jeu, bah, c'est délicat. Après, je peux regarder l'historique de tes messages. Comme ça, bah, je peux avoir une idée. Ces enfants de salauds. Et vous voyez plus balèze. Vous êtes sur les listes électorales? Bah, oubliez ça. J'ai besoin d'un autre genre de coup de main. Je vais aller droit au but. Vous voyez la déception sur pattes qui est en train de prier là-bas? C'est mon fils, Herc Junior. Il est con comme une moule. Faut dire qu'il tient de sa mère. Cette espèce de crétin a paumé mon pick-up de campagne. Nancy. Il est con comme une moule. Il porte le nom de la meilleure jamais entendu ça, mais. Dame que ce pays ait jamais eu, bien sûr. Si ces putains de gauchos fans d'Obama découvrent que je sais pas protéger ce qui est à moi, je peux dire adieu au Sénat. Vu que je vous ai pas tué, alors vous êtes chez moi, même si c'est mon droit en tant qu'Américain propriétaire d'une arme. Vous avez une dette envers moi. Aidez ce débile à récupérer mon pick-up, que je puisse me consacrer à ma campagne. Alors c'est génial, parce que le voisin il s'est dit, vas-y, c'est le moment. Il y a quelqu'un qui vient t'aider. C'est le moment de foutre le bordel. Essaye de pas merder. C'est bon, il a terminé. Il a terminé. Le voisin qui fait je ne sais quoi. Alors, j'ai regardé l'historique rapidement, et apparemment tu parlais de Garp, du coup, 100% t'es venu sur One Piece Pirate Warrior. Un petit One Piece Pirate Warrior, en vrai c'était un kiff, hein, le petit let's play sur One Piece. Même si sur YouTube ça flop, hein, One Piece Pirate Warrior. Enfin, du moins pour moi. Il est où, Herc? Il est dans la baraque? J'ai pas écouté. Il est dans la baraque, Herc, ou pas? Monsieur, il est où votre fils? Le fils con. Ah bah, il est là. Salut mec, il paraît que t'es con comme une moule, ça va? Désolé, je veux juste être sûr que tu sais que je t'insulte pas parce que t'es du genre femelle, hein. J'appelle tous mes potos, mon pote, frangin, mec, qu'ils aient une muqueuse vaginale ou un membre phallien. Wow, j'ai un flashback, mec. Est-ce qu'on se connaît? Ouais, on s'est déjà vu, hein, sur un autre Far Cry. Entendu, sur ligne directe avec le gentil petit dieu des singes qui se gratte le cul au paradis. Ça va, mec? Bon, calme-toi, par contre. Sur Terre pour le roi des singes, bah, ça veut dire que tu sais déjà que je dois récupérer le pick-up de mon daron. Parce que bon, il l'a mauvaise. Mais si on lui rapporte, il me laissera dormir dans mon lit. Et je peux te dire un truc, c'est que ça caille drôlement dehors. Sans compter les tics qui grimpent dans mon froc et qui risquent de me filer la maladie de l'âme et tout ça. Donc tu pourrais m'aider à récupérer le pick-up de mon père? Moi, ouais, bien sûr, je vais faire ça. Que le vieux se met à tirer. Il est chaud comme la braise ces temps-ci. Allez, viens. Sa candidature au Sénat. Je conduis ou tu conduis? Je conduis. Ah, tu conduis. Tu sais à quel point il bosse? Il trouve même plus le temps d'aller aux chiottes. Je crois que tu testais le live. Et du coup, tu parlais pas. Ah bah. Désolé. Désolé. C'est rare, hein, les fois où je me tais. C'est très rare, mais ça m'arrive. Ça m'arrive de ne pas trop parler. Je vais te dire un truc. Ça va pas être simple de récupérer ce pick-up. C'est la secte. Je peux pas couper la musique? Ah, quoique. Je vais être honnête avec toi, ça a commencé. Elle est bien la musique. J'ai voulu y rejoindre. Ah, je sais pas, ça me paraissait être une bonne idée. Par contre, tu vas avoir roulé à 10 à l'heure toute ta vie là. Allez, hein. Et les petits bien moulés. Et ça, c'est les trois mamelles de ma religion. Ah. Je sais pas, on aurait dit une giga fiesta. T'es pas d'accord? Alors j'ai dit, salut les amigos, où est-ce qu'on signe? Alors ils m'ont montré où signer. Et là, ils m'ont fait la liste de toutes leurs putains de règles. Pas de fornication, toi ça veut dire pas de pèse, pas d'alcool, pas de grosse fiesta, que dalle. Alors merci, mais non, merci. Alors je suis parti comme si j'avais du piment au cul, tu vois. D'accord. Et, manque de peau, j'ai oublié le pick-up du daron. Il est vachement remonté depuis, alors... Bah tu m'étonnes. Faut que je reprenne sa caisse. Tu pars avec son pick-up, tu reviens sans, c'est pas étonnant. J'ai un plan en 9 étapes pour le récupérer. 9 étapes? Oh bah gros, c'est trop. C'est une journée à se murger. Ah, tu veux boire de l'alcool? Ah, tu l'as fait sans moi, ma connard. Que quelqu'un gère mon problème à ma place. Ah, c'est fait aussi. Oui, c'est moi. Oh merde. Oh merde, j'ai oublié. Ah bah le plan est bien ficelé. Oh
merde, t'as du talent pour écouter, tu sais. Bah oui, parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le don de la parole sur ce jeu. On s'entend plus trop, lui et moi, ces temps-ci. Depuis qu'il s'est lancé dans sa campagne, il me tombe sur la gueule à la moindre occasion. Il dit que je suis un pocheron, que je sais pas gérer mes armes. Ce genre de truc, quoi. Mais si on reprend son pick-up au 5D, mais il sera vachement impressionné, obligé. Il va m'adorer comme jamais. Et ensuite, ma mère devra m'aimer plus que ça pour pouvoir m'adorer autant que lui m'adorera. Et ensuite, il verra à quel point elle m'aime et il essaiera de m'aimer encore plus. Et là, pour les anniversaires et Noël, ils vont faire chauffer la carte bleue. Mais t'es insupportable. T'es insupportable. T'es pire que moi. Ton père a pas tort, t'es con comme une moule. Dépêche-toi, gros, appuie fort. On y est. Allez hop, des bisous. Appuie fort sur le bouton. Où est le pick-up? Ok, non, c'est pas ça le pick-up. Mec. Oh, ça y est, je viens de me rappeler les étapes 3. Faut les prendre par derrière, comme papy. Comme papy? Comme papy dans mamie, c'est ça que t'allais dire? Mais c'est pas de l'infiltration. Hein. Infiltration, hein. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, on a fait un peu de coop et c'était bien. On a fait de la coop avec quelqu'un qui n'avait pas de micro, du coup c'était génial. C'est comme ça que j'aime la coop. Hein. La coop avec un collègue qui ne peut pas parler. On va s'éclater, putain! Je vais leur défoncer le cul façon Wedja! J'aime bien ton style. Si tu fais le boulot comme il faut, je te donnerai peut-être un truc sympa que j'ai préparé. Oh là, qu'est-ce que t'as préparé? Marche bien, mine de rien. On est en infiltration. Tu vas récolter mon âme? Tu crois en être capable, minable? Y'a personne à la mitrailleuse. Ils m'ont pas vu, les aveugles. J'y vais vite fait. Mais vous allez où, les gars? Hey. Gardez la foi pour Joseph Seed. Bah voilà. Infiltration totale et radicale. On est un peu comme les trois mousquetaires, sauf qu'ils étaient quatre et que nous on est que deux. Ok, on passe à l'étape 4. Il est marrant, ouais. Le pick-up est tout là-bas en bas et je te parie qu'on va tomber sur Bouctari. Il y a pas mieux que la tyrolienne. On va débouler là-dedans avec ça et se faufiler comme des... Tourc. Mon ami. Vas-y, saute. Putain, trop de la balle! Merde, ouais, on a dit comme des ninjas. Ninja! Vas-y, gros. On est des tueurs! Non, des ninjas. Reste dans ton rôle. Ninja! Je m'éclate comme un dingue! Je compte bien revenir plus tard pour refaire ça complètement à poil! Quoi? Pourquoi tout nu? Ah, c'est pour sentir le vent sur... Oh, ouais. J'ai les noisettes au vent. Ah bah voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais que ça avait un lien quelque part par là. Vas-y, mec. Bah moi, je sais pas où aller, hein. Je sais pas où il est, ton pick-up, hein. Allô? Ça va. Ah. J'ai encore vu d'autres de ces... Non, non, descends pas comme ça. Il faut descendre, mais de façon virile. Viril. Ah. Tu m'emmerdes, échelle à la con. Viril. Voilà. Ça va, il s'en sert pas. C'est juste une décoration, son launcher, là.
alors. Pour le père ? Saint Joseph. Bien joué, mec. Bon boulot, super. Ok, l'étape 5, on se bouge avant que d'autres se pointent. C'est ça le pick-up. Votre Herc. Il a vraiment mis ça, ton père. Oh là là, la batteuse. On va batteuser, mon gars. On va baptiser les gens. Baptisons. On est dans la merde. S'il reste pas de quoi faire le ménage dans la glacière. Et puis, dis-moi une bilouse, tant qu'on y est. Ah non, moi... Pas de glacière ici, mon gars. C'est contre ma religion. Ah. Bah bien joué, hein. Ils sont sur notre cul, photo. Come on to America. Parfait. Le roi des singes. Je parle de son goût. Bah voilà, ça se passe bien. J'ai joué Herc. Oh, bon alors là. Ah non, c'est bon. Oh merde, juste en 5 étapes. J'ai forcément oublié quelque chose. Et t'as fait du beau boulot. Je vais te révéler un de mes petits secrets. Je compte lancer ma propre secte. Et tu Quoi? Seras mon premier Herc. Non. C'est comme ça que j'appellerai mes amis. Ce sera une secte avec toi, moi, mon cousin Sharky, et tout un tas de top modèles. Ah mais Sharky, on l'a croisé. C'est la piscine 24h sur 24 et putain, il était à moitié fou lui aussi. Putain. Cette famille. La folie, cette famille. Alors, je t'ai menti. Il où le daddy? C'est les deux petits génies. Ça va, mec? Pourtant qu'à soi, on a un seul morceau. Ok, officier, vous avez tenu parole. Vous savez, j'ai pas mal réfléchi pendant votre absence. Cette histoire de Sénat, c'est trop pour moi tout seul. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger ma campagne. Et je vous sens tout à fait capable de coller mon cul à Washington. Votre première mission, ce sera d'amener Junior avec vous. Pour plus que j'aie à l'entendre prier comme un con à son roi des singes. Et la deuxième, j'ai pas encore trouvé, hein. Mais je vous tiens au courant. Bah ça roule, mec. Bah ça y est, je t'adopte officiellement. Le fils prodige. Comment ça va, Alice ? Tu m'appartiens désormais. Désolé. Enfin, désolé. En vrai, non, je suis pas désolé. Bon, maintenant, on va aller chercher notre petit ours. L'effondrement est proche. T'as vu, mec? Je suis content qu'il soit plus à la secte.
Elle y dressait des loups pour foutre le bordel. Ouais mec, j'aimerais bien avoir ton ours. Apparemment t'en as un. Pour garder les prisonniers à l'œil. Avant, on avait un ours ici qui s'appelait Cheeseburger. Cheeseburger. Une sorte de mascotte locale. Il avait un faible pour le barbecue de Chad. Mais ça lui a filé du diabète, alors on l'a remis au régime saumon. Comment vous avez fait pour faire un... L'insecte a tenté de le choper, alors je l'ai libéré. J'ai entendu dire qu'il foutait un sacré bordel. Quelqu'un devrait aller le chercher pour s'assurer qu'il va bien. Attrapez des saumons dans le bassin avant de partir. Vous n'aurez qu'à les donner à Cheeseburger. Et il vous obéira au doigt et à l'œil. Mais comment ils ont fait pour lui filer le diabète à cet ours? Je veux dire, combien ils leur ont donné, là? Genre, vraiment, ils l'ont mal... Bah non, c'est pas possible. C'est-à-dire... Moi, je suis curieux de voir les menus, quoi. Après, c'est les US, hein. Je vous invite à voir les cuisiniers US, bon... L'obésité est tout à fait prérequis, quoi. Enfin, du peu que j'ai vu, c'est normal, quoi. Soit t'es obèse, soit t'as fait une crise cardiaque à 20 ans, quoi. Ah, non, casse-toi, toi. Bon, tant pis, hein. Civil sauvé. Ah bah, bien joué. Bien joué, moi. La mission de sauvetage est terminée. Efficace, mon gars. Ah ! Oh, il y a un pigargue qui m'attaque. Bien, mec. Alors, il me faut du saumon. Ouais. C'est vraiment moche ce qu'on lui fait. Ah, faut que je pêche. Attends. J'ai sorti le flingue de type chasse. Viens là, petit. Après. Eh. Dommage. Je pense qu'il a compris. Il a compris que j'étais la menace. Comment on invoque la pêche? Comment on invoque, hein, carrément? Elle est où ma canne à pêche? Eh, mec! Non, mais panique pas. Il est en conflit. Bon, il nous faut du saumon. Attends, on va peut-être lancer un peu plus loin que ça, quoi. Allez, allez les petits. C'est ce qu'il me fallait. Un peu de bon temps pour oublier les ennuis. C'est un putain de beau pays. Ouais, c'est vraiment moche ce qu'on nous fait subir. Oh là là, je me pose bien là. Allez les petits. Saumon royal, bah voilà, c'est bon, parfait. First try. C'est ce qu'il me fallait. Eh, si vous avez le saumon, il paraît que Cheeseburger a été repéré chez l'Inero Building Supplies. Surprise? 700 mètres. Après, je peux me TP là. Vous voyez? Je mens pas. C'est vraiment le fait d'être avec quelqu'un sur PS4 qui ralentissait les temps de chargement. Mais dans la vidéo précédente, on a eu le temps de profiter
Bah, détente, change. Profiter, bien sûr. Pas sûr de ce terme. Anio. Bienvenue dans la grâce. You. Nickel. Moi j'ai faim, c'est vrai. Par contre, monsieur le bender de loup, là, faut arrêter. Tu savais qu'il faut 10 jours pour qu'une civilisation s'effondre. Ouais. Prive un homme de ses besoins de base et il reviendra à ses instincts primaires en 10 jours pile. C'est quelque chose d'incompréhensible tant qu'on ne l'a pas vécu. J'étais en Irak. En 91. Dans la 82e fierté de l'Amérique. Hourra ! Une nuit, il y a eu une attaque. Avec un type Miller, on se retrouve séparés de l'unité. Pas de bouffe. Pas de radio. La seule base est à 200 bornes vers le sud. Alors on se met à marcher. Bon. Au bout de 3 jours, je sais qu'on est perdu. Le 6e, on se retrouve sans eau. Tu sais comment c'est, pas vrai? Dur de déglutir. Le 7e jour, les jambes de Miller commencent à le lâcher. Tu savais que ton cerveau pouvait manger tes muscles pour essayer de survivre. C'est pour ça que t'es maigre comme un clos. Et au 8e jour, les loups se rapprochent de nous. J'ai regardé Miller et j'ai compris qu'on était foutus. Mais je l'ai accepté. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Tu vois, c'est pas Miller que j'avais en face de moi. J'étais devant une opportunité. J'en avais pas vraiment envie. Mais j'étais obligé de le faire. C'était mon épreuve. C'est bien, t'as mangé ton pote, c'est cool. Mais tu vois, le sacrifice de Miller ne m'a pas uniquement permis de survivre. Il m'a aussi conduit ici. Les faibles peuvent être utiles. Tu t'en rendras compte très vite. L'inconscience, encore une fois. Sacrifions les faibles à nouveau. Oh! Ah, c'est vrai, du coup, il y avait un magnum. Hein. Ça, je l'avais pas vu, mec. Bien. Abat les faibles. Voilà. Abattons les faibles. Ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours la même épreuve. On va faire moins bien que la dernière fois. C'est dommage. La dernière fois, il nous restait 1 minute. Hein. Sacrifie les faibles. Oh, c'est pas fini. Traqué, tué.
Ah voilà, il nous reste une minute, pareil. Incroyable. On s'est bien rattrapé sur la fin. Je vois un loup. Tu pensais être libre, minable ? Petit. Je vais te faire sortir de là. Ah ouais ? Ok. Et on s'enfuira tous les deux. D'accord ? Rien que toi. Rien que toi. Et moi ? Me laissez pas ! Vous, vous êtes bien trop faible. Faut que tu sortes de là. Avant que ça recommence. Suis-moi. La routine, et il entre dans ta tête. Et tu t'en rends pas compte. Tu peux plus revenir, tu comprends? Tu dois surtout pas revenir. Allez, faut monter sur ce camion. C'est presque l'heure. J'ai bien étudié le tracé. Ah ouais? C'est la seule issue. Tout ira bien, c'est... Ah, allez, faut filer, hein. Oh non, 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 pas maintenant! Pas déjà! Oh merde! Merde! Non! Non! Bon, bah, ce sera plus tard, hein, l'évasion. Désolé. Bah! Mec, c'était pas nécessaire! C'était pas nécessaire de me pousser dans le vide. Salaud! D'accord. On est sur un hôtel. Non, on n'est pas sur un hôtel. On était sur un camion. Ce qui est presque pareil qu'un hôtel. Nani? Lui, il a mal vécu. Vous planquez. Mais putain, enfin, il a mal fini du moins. Je sais que vous êtes sûrement en train d'essayer de sauver votre copain Brat. Mais les Wild Tales aussi auraient besoin de votre aide. Enfin bref, vous savez où nous trouver. A bientôt. Alors là, faut pas avoir de la merde dans les yeux. Allez, officier, je sais pas trop où tu veux. Voilà, on a eu de la merde dans les yeux. Bon, c'était un risque à prendre. En vrai, même si je le tuais, je mourrais, du coup, avec l'inertie. Parce que le camion, il se serait pas arrêté d'un coup. Mais ça valait le coup. J'y ai mis toute ma volonté là-dedans. Bon. Viens ici, ma biche. Je suis la nuit. Je suis... l'enfant caché de Batmanu. Salut. Salut. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça déjà? Mais t'es pas mort toi? Il me semblait qu'il était mort ce monsieur. Roi de la jungle. Destructeur de véhicules. Qu'est-ce qu'on met comme point? Saboteur. Maîtrise de l'exécution. Coup de pied dans la bouche. Doigt de fée. Combat rapproché. On peut booster Boomer. Boomer. Tiens. Boomer est plus fort que Jaja. Et ça, c'est agréable. C'est agréable de se dire que mon chien est puissant. Les fables peuvent être telles.
Bon, j'ai déjà évoqué en quoi. Du coup, on ne va pas le réévoquer à nouveau. Oh la biche. Et regarde. Fuck. T'as fait peur à la biche, Boomer. Ta faute, Boomer. Oh là là. Regarde le caribou, là. Caribou. Oh, il est mort sur le coup. T'as vu, Boomer? Si ça, c'est pas de l'efficacité, mon pote. Pot de caribou et de la pomme. Joue un petit cul, là. Un petit cul de calibu. Oh, sur le haut du crâne, ça va faire mal. Après, il a pas eu le temps de souffrir. Là, dans la bouche. Il me reste 2 balles. Attends, Boomer. Caribou! Voilà, il est mort le caribou. Oh, il a encore vu un caribou. Un Boomer expert en détection de caribou. Oh mais la balle sur le haut du crâne, ça va pas suffire. Il n'y a pas l'air d'avoir de choses intéressantes. Ah, il y a une caisse de junkie. C'est quoi ça? Ah, des vinyles. Trouver cheese. Cheeseburger. Est-ce qu'il va manger ma main avec? C'est ça la vraie question. Tiens, regarde, gamin. J'ai un gros saumon pour toi, c'est un saumon royal. Alors là, calme-toi. Mange. Allez. Deviens mon familier. Soumets-toi. Soumets-toi à mon autorité. Tu es soumis? Ça y est, il est soumis. Ah. Moi, je vais vous calmer, moi. Voilà, tiens. Allez, cheese. Laissez cheeseburger là où il est. Ah, il est efficace, mon petit cheese, là. Il est où, cheese? L'ours ne doit pas s'échapper! Laissez pas cet ours s'enfuir! Bon, ça, il gère, cheese. Il a l'air efficace au combat, ça change de mes autres compagnons. Enfin, pour l'instant, du moins.
A voir si après la mission il reste fort comme ça. Oui. Il a pas le temps de niaiser, hein. La vache! Vous avez retrouvé Cheeseburger! Ah, tant qu'il est avec vous, je sais qu'il craint rien. N'oubliez pas, lui filez surtout pas de Cheeseburger. Parce que il est diabétique. Ouais, mais j'avais pas oublié. Bon, ce diabétique. Les Américains sont tellement. Tellement spécial en termes de bouffe, ils arrivent à rendre les ours diabétiques. Ce bon vieux cheeseburger, bon boulot. Les frères Fowler l'ont bien dressé, donc il t'obéira au doigt et à l'œil. Et puis, c'est aussi une célébrité locale, donc sois pas surpris si les gens s'intéressent plus à lui qu'à toi. Bon, ça m'étonnerait quand même, je suis un héros. Urk a encore des choses à me dire ? Vas-y, on y va. Nous abattrons les faibles. Il aime bien, il aime bien. Il a quelque chose à compenser, le monsieur. Salut, vieux. Il est où, ton fils ? Ah, mais voilà ma nouvelle directrice de campagne. J'ai une mission pour vous. Ça vous connaît, les circonscriptions ? Bien sûr que non. Vous êtes comme moi, une américaine moyenne. Y'a que les têtes d'ampoule pour redessiner les cartes électo blablabla. Eh bien, figurez-vous que ces mêmes têtes d'ampoule sont venues me dire que j'avais aucune chance parce que ces tarés de la secte refusaient de voter pour moi. On peut bien dire ce qu'on veut des fanatiques, c'est quand même des électeurs. Si j'ai bien compris, ma seule chance d'être élu, ce serait de remonter dans le temps et de changer les circonscriptions pour que les cinglés y soient pas. Alors je me suis dit que j'aurais le même résultat si les tarés venaient pas voter. Bah, je vais pas vous dire comment faire votre boulot. Gros clin d'œil. Mais je dirais pas non à une solution permanente à mon problème temporaire, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, pas de soucis. Évidence, je vous demande pas de tuer quelqu'un. Ça reste illégal. Vous me confirmez que c'est toujours illégal ? Ouais, c'est illégal. Mais si jamais les cinglés étaient moins nombreux, suite à des rencontres malencontreuses avec des balles, ça jouerait sans doute en ma faveur. Le quartier qui me pose problème est au croisement, près du Grill Street Diner. Vous pouvez amener mon crétin de fils. Il a pas beaucoup de talent, mais il sait viser. Et puis bon, si jamais ça devait se retourner contre nous, faut toujours un pigeon. C'est presque sûr qu'il fait même pas de prison. Par rapport à son état mental. Alors, vous attendez quoi ? Au boulot ! Bah écoute, tant qu'on peut accuser ton fils, je vois pas pourquoi on le ferait pas. Alors, attends. C'est quoi ça ? Détruisez l'hélicoptère de Jacob ? Boah. Il est bien loué, l'hélico. L'effondrement est proche. Et cette fois, l'intérêt de tous passera par moi. Attends, toi, t'as l'habitude maintenant que je te vole ton camion, de toute façon. A chaque fois que je me TP ici, je prends ton camion, mon pauvre. Ou alors, il en rachète un à chaque fois, mais je préfère me dire qu'il le récupère et qu'il le retape. Voilà, voilà. Boum. Tant pis pour la peau d'ours, hein, c'était juste pour le plaisir. Vous savez, parfois il faut se faire plaisir et tuer des ours. Moi je suis là pour le sport. On n'a pas la visée sûre. On a trop donné pour s'arrêter maintenant.
Pourquoi il lance une grenade, le con, hein? Ils sont où les autres? Allez mon chien, détecte des choses. Carrefour sécurisé, mon gars. Ce serait vraiment dommage qu'il déclenche des explosifs par mégarde ou qu'il traverse devant un véhicule. Il y a encore des êtres humains, hein? Ah oui. Ils abandonnent jamais, quoi. Il est où le mec en armure là? Il y en avait un, je suis pas fou. Posera des questions un autre jour. Voilà. Bah parfait, hein. Make up great again. Bien joué. Vous et moi, on va rendre le Montana great again. Je vais vous dire. Et si vous preniez Nancy, si vous nettoyez la région en volant de mon pick-up, tous les électeurs potentiels sauront sur qui ils peuvent compter pour les aider. Prenez soin de Nancy, comme de ma campagne. Oh, et surtout, gardez Urk Junior pour toujours. Vraiment. Ah, d'accord. Je garderai votre fils pour toujours, monsieur. Mais pas de mariage. Je suis contre le mariage avec le monsieur. Pour ne pas dire quelque chose de désagréable, voyez-vous. Voyez-vous. Un bon survivaliste ne se résume pas à son matériel, mais à ses connaissances. Il était déjà mort ? Dommage. Bonjour ? Vous aviez disparu, bordel. J'ai tenté de vous contacter. J'ai du boulot pour vous. Vous vous souvenez de l'hôtel Grandview ? Le trou à rats dont on a réussi à vous sortir ? Faudrait y retourner. Jacob a chopé un Whitetail qui s'appelle Briggs. Il utilise les mêmes saloperies sur lui que sur vous. Tout ça dans l'espoir que Briggs crache la position du Wolf's Den. Je pense pas que notre gars puisse tenir aussi longtemps que vous. S'il lui dit où nous trouver, on est mort. Va falloir agir très vite. Certains ici pensent que ce serait plus simple de buter Briggs. Mais si on se met à tuer les nôtres pour sauver notre peau, on vaut pas mieux que Jacob. C'est pas faux. Pas question de tomber si bas. Voilà ce que je vous propose de faire. Witty a préparé un petit package de déprogrammation, le même qu'on a utilisé sur vous. Il faudrait que vous remplaciez la bande qui diffuse dans la pièce où est Briggs par celle que je vais vous donner. Et ensuite, ben on verra ce qui se passera. Si tout va bien, notre gars retrouvera ses esprits. Et sinon, on improvisera le moment venu. Bon bah c'est clair.
Ouais, ils sont là-bas. Là-bas. On va juste sortir et prendre une bagnole. Hein. Moins quad. Vous savez, c'est quoi l'avantage d'un véhicule tout-terrain? Bah, il est tout-terrain. Et mine de rien, c'est utile. Eh ouais. C'est un stream et une vidéo pleine de révélations, n'est-ce pas? Alors, comme on dit dans le milieu, bonjour. Tac. Ouais, salut, Sally. Je vous ai vu sur les caméras. Grand View, c'est tout droit au nord de votre position. Allez, dépêchez-vous. Bah. Mais c'est la deuxième fois que ça marche pas. Tant pis. Bon, attendez. Gardien de la paix avant tout. Tu es libre, mec. Nani ? Il est où mon quad ? Il est là-bas. On va ignorer copieusement cet avion de ses morts. Ah ouais, soutenez, hein, soutenez les gars. Soutenez tout ça. Moi, j'ai pas le temps de soutenir. Hein. C'est moi. J'ai vraiment cru que c'était fini. Comment je les sauve? C'est efficace comme arme, mine de rien. Une balle bien placée, c'est finito. Oh, mais c'est un avant-poste. Non? Ah, il n'y a pas d'alarme. Non, c'est pas un avant-poste du coup. Regarde. Il est en train de pisser là. Hop. Bon, comme d'hab. Putain, je l'ai pas vu le con. Bon, étant donné que l'infiltration s'est terminée. Surtout pas remarqué. Faut éviter que Briggs soit blessé. Pour info, j'ai pas de caméra dans le bâtiment. Souvenez-vous, une fois à l'intérieur, remplacez la bande et laissez la déprogrammation faire son travail. Je m'empêcherai pas de rejoindre les Va là-bas.
mon chien accuse le coup encore une fois. Bon, faut trouver quelqu'un ici là. Bonjour. Ouais, trouvé, hein, pas de panique. On a un peu de mal, mais ça va venir. Dommage, je pensais être sur la bonne voie, mais non. On est déjà venu. Ah! Si vous l'avez trouvé, laissez la bande faire son boulot. Traqué, tué, sacrifié. Ah merde, il y a des camions qui viennent vers vous. Jacob devait s'attendre à ce qu'on frappe à nouveau. Putain, je vois des mortiers, des mitrailleuses dehors. Improvisez, ils ont des tas de chouchous ici. Mais t'inquiète, regarde, est-ce que j'ai l'air de paniquer? Merde, il est mort. Quoi? Mais comment il est mort? Bah non, mais comment il est mort? C'est la combustion spontanée, c'est ça? Bah non, mais... Gros. Attends, on va invoquer un familier histoire de pas se faire surprendre. Ils arrivent par le lac. Par le lac?
Allez Jeffrey. Les camions arrivent par devant. Je m'en doutais que l'ours allait être moins fort une fois dans ma position. Quoi. Je m'accroche à la vie, mais mon ours est mort. J'arrive dès que possible. Vas-y, bien, bien. C'est un peu de la triche, non? Un peu. C'est un peu de la triche, là, ce que je viens de faire. Mais ça marche. Le plus important, c'est que ça marche, non? Merci. Ah, merci, Jess. C'est comme ça que tu t'appelles, hein? Il est où le sniper de ces morts là? En voilà d'autres. Allez Jeffrey. Hélico armé en approche. Faut mourir oui. C'est bon il est mort. T'as vu ça, Jess? Vous avez fait un sacré boulot. Vous avez vraiment l'étoffe des héros. Les choses se présentent bien pour Briggs. Les White Ties vont venir récupérer. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. J'avais peur pour ma vie à un moment donné. Jacob pourra plus utiliser le Grand View pour ses lavages de cerveau. Putain, j'aimerais bien voir sa gueule quand il apprendra qu'il a perdu sa salle de torture préférée. C'est au-dessus, hein. Il est au-dessus, Jacob. Bon, vous avez prouvé qu'on se trompait tous sur vous. C'est enfin, pas grave. Moi, j'ai toujours su que vous aviez du talent. On se revoit au Wolf's Den, soldat. Faites gaffe. Bon, on le laisse là. Ah, tant pis. Moi qui voulais le libérer. Bon. Eh bien, merci d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt pour la suite.